Un sondeur à deux faisceaux présente un véritable avantage. Une couverture large de 60 degrés d'un diamètre égal à la profondeur. Le faisceau de 20 degrés, plus étroit et précis, ne couvre lui que le tiers central. Le rendu en temps réel de ce qui se passe à l'aplomb de la sonde, dans le petit faisceau, se trouve dans la fenêtre RTS. L'image de ce qui se déroule dans l'intégralité du volume des deux cônes concentriques est visualisée sur l'écran principal. Lorsqu'un silure rentre dans le faisceau large, c'est donc sur cette ligne qu'il apparaît en premier. S'il pénètre dans le petit faisceau, il apparaît également dans la fenêtre RTS. Plus il rentre au cœur du cône central, plus l'intensité du signal est importante, ce qui est matérialisé par un code couleur qui évolue du vert au rouge sur cette machine. Lorsque l'écho est rouge vif dans la fenêtre RTS et que le montage travaillé à l'aplomb de la sonde est au bon palier, on sait que le silure se trouve à proximité immédiate de l'appât. C'est à ce moment précis que l'on peut jouer avec lui pour déclencher une réaction ou le laisser tranquillement partir, comme dans ce cas où aucune ligne malheureusement n'est à l'eau.